Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler sur les types de cartouches gomme-cogne et dans quel type d'armes s'insèrent-elles. Donc, nous avons le 12-50 qui va sur les revolvers GC27, GC27 Luxe et le double canon, le GC54. Nous allons commencer par la cartouche orange, la cartouche à balles de caoutchouc. Bon, celle-là, elle a déjà été tirée. C'est une cartouche en billes caoutchouc pour une puissance de 40 joules avec une vitesse de 130 mètres par seconde. Nous avons la même en chevrotine, toujours pareil en 12-50, la verte, avec une énergie de 63 joules pour une vitesse de 176 mètres par seconde. Nous avons la plus puissante en 12-50 qui développe environ 80 joules. Pour une balle caoutchouc avec une vitesse d'environ 180 mètres par seconde. Nous avons maintenant la 1270 qui se met uniquement sur les fusils à pompe et les fusils de chasse. Ne la mettez pas sur les fusils semi-automatiques, il n'y a pas assez de poudre pour que la balle s'extrait, la cartouche. Elle a quand même une énergie de 250 joules pour une vitesse en sortie de canon de 300 mètres par seconde. Équivalent à une 22 long rifle avec quasiment deux fois plus de puissance. Pour la 1270 avec 250 joules, ne jamais tirer à moins de 35 mètres, portée efficace entre 80 et 140 mètres. Bien sûr, c'est une bille caoutchouc donc pas très précise. Pour les trois autres, ne jamais tirer à moins de 5-10 mètres, portée effective environ 20 mètres. Munitions de catégorie C. Munitions non létales à condition de respecter les distances de sécurité.